Voici ce qui a fâché les gens. Écoutez. Du lest sur cette question-là, pour que ce corps soit restitué à la famille. Mm-hmm. Et l'émoi que cela avait provoqué, moi, c'est quelque chose qui m'avait manqué à vie. Du Premier ministre Baouri. Oui, le Premier ministre du glissement, pour moi. Oui, c'est le Premier ministre du glissement, Lamine. On a l'impression qu'il n'a qu'un seul discours à la bouche depuis son arrivée, c'est parler politique et que de glissement. Au même moment, on nous a dit que le pays était en refondation. Mais 3 ans après, et la fondation ancienne a été rasée par des bulldozers, mais la nouvelle à laquelle on s'attendait n'est toujours pas posée. Toujours pas. Finalement, on est en train de bâtir sur du sable mouvant. C'est véritablement l'impression qu'on a aujourd'hui. Je regarde M. Baouri, je regarde la Guinée, j'ai juste pitié des Guinéens. Je me demande comment est-ce qu'on peut en arriver là pour une telle lumière maximum de partage. Comment est-ce qu'on peut en arriver là au point de raser soi-même, au point de placer en pleine euthanasie ses propres idéaux, ce pourquoi on s'est battu toute sa vie. Je ne peux pas vous dire toute ma déception, sincèrement. Parce que de M. Baouri, je n'attendais pas quelqu'un qui deviendrait un idéologue d'un pouvoir militaire. Et un pouvoir militaire, pas n'importe lequel. Un pouvoir militaire brutal. Un pouvoir militaire assez brutal. Aujourd'hui, vous parlez de droits humains. M. Baouri renvoie la question du revers de la main. Aujourd'hui, vous parlez des droits des citoyens. Par exemple à l'électricité, à l'eau, il vous renvoie tout ça du revers de la main. Tout ce qui est aujourd'hui posé en termes de débat, en termes de réclamation citoyenne, il vous dira toujours ça n'a pas commencé aujourd'hui. Finalement, ces 3 premières années de la transition auront servi à quoi? Et vous le voyez même s'accaparer de projets qui ne viennent pas de lui. Tout à l'heure, en off, on était en train de penser à cette histoire d'EPA. Tout le monde sait en Guinée que l'un des plus grands problèmes qui se pose aujourd'hui à notre État et qui nourrit surtout la corruption, c'est l'existence, c'est l'explosion du nombre d'EPA. Mais c'est un travail qui est fait depuis. Ça ne relève pas de lui. Il annonce son initiative. Il faut avoir au moins l'honnêteté intellectuelle quand vous poursuivez l'œuvre de vos prédécesseurs de dire l'État a fait ci, l'État a fait ça et voici ce que nous allons aussi y ajouter. Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Aujourd'hui, il nourrit la crise, il nourrit les tensions à bien avant l'heure. 7 mois avant la fin de la transition, il dit à tout le monde, on ne parlera pas de transition et il n'y aura rien. Il n'y aura pratiquement... Peut-être même... Maximum de partage. Vous êtes sûr de ça? C'est un mauvais procès qui est fait à Baouri. Baouri. Tu diras tout à l'heure ce que tu en penses. Moi, je n'ai pas dit grand. Mais Baouri, ne nous a pas dit. Ouais. Vous pouvez dire que c'est un mauvais procès, mais il ne vous a pas dit qu'est-ce qu'il a fait justement pour qu'il n'y ait pas ce glissement. Ouais. Jusqu'à présent, depuis son arrivée. Il a quel pouvoir? Non, mais oui, finalement, je ne te lis plus. Bien. Il est illisible. Ouais. Parce que. Il est pas ouribis. Dans ce cas-ci, ce n'est pas lui qui a le pouvoir, ouais, qui se taise sur la conduite de la transition. Non, moi, je ne te comprends plus. Non, il a une mission. Il a une mission qui lui est confiée. Oui, c'est quoi sa mission? Et c'est ce qu'il est en train de faire à mon avis. C'est quoi sa mission? C'est une mission qui est aujourd'hui constituer le fusible pour le CNRD. Communiquer avec la partie politique, dire clairement la position, la volonté même du CNRD à ses pairs de la classe politique. Après cela, on va le laisser dire. Vous ne trouverez rien d'autre que je ne peux pas, je m'en vais. Bien. À sa place, vous feriez quoi, mesdames? Je n'aurais pas été à des grandes gueules. C'est pas compliqué. Ouais. Je le dis, tout le monde m'entend. Je n'aurais pas été à sa place. Ouais. Parce que je n'aurais pas accepté, moi je n'accepterai pas la prime. Vous savez pourquoi ils ont fermé ces médias? Attendez,
il y a la deuxième partie, je vais vous faire écouter. C'est que ces gens-là ne sont pas venus pour la démocratie. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est un petit clan. Comme ça, cancan pour le donkey, on est pressé parce que à coup de milliards, écoutez, on hein, est en train aujourd'hui partager. De faire des tenues, on va distribuer beaucoup de tenues, l'administration va vider encore Conakry. Partager. Tout le monde ira écoutez, là-bas pour faire la fête. Et on nous sort des mesures cosmétiques, ouais, le Fouta est l'invité de cette année, voilà. Ceci, cela, ça n'a aucun impact, voilà, ni sur notre société, ni sur notre économie, sauf un impact négatif d'ailleurs sur nos finances publiques. Tout ça, il le sait. Qu'est-ce que vous êtes en train de réussir? Dites-le nous, parce que les Guinéens, l'argent est en train de devenir une espèce en voie de disparition. Aujourd'hui, il vous l'a dit l'autre jour. Attendez, désolé la famille. Écoutez, suivez bien. Des vendeurs, un vendeur de véhicules que tu connais, que tout le monde connaît, un gros, qui avait l'habitude de vendre une dizaine de véhicules au moins par mois, vous dit, aujourd'hui, en 6 mois, je n'ai réussi à vendre pratiquement que 2 ou 3 véhicules. Au même moment, tu es dans un pays où tu vois des petites filles, des stagiaires qui rentrent, qui voilà, ont un Range Rover. Écoutez. Sortie d'usine en plus. Voilà. Je vous dis, Range Rover sort des stagiaires qui ne sont même pas encore à la fonction publique. Qui sont dans des entités publiques. Tu vois une petite fille comme ça, elle est dans un appartement de 2. Je vous fais écouter ça. Voici ce qui a piqué les bandits. Voici ce qui les a piqués. Parce qu'on les a dit la vérité crue. Ça les a dérangés. Il faut éteindre toutes les radios. Ce qui les a touchés, c'est ça. Écoutez bien. Comme ça, dans un immeuble qui ne coûte pas 3 millions, mais elle roule en Range Rover parce qu'on te dit elle est parrainée par telle. Elle est parrainée par elle telle. Est identifiée. Notre ville, la mine. Monsieur, elle est identifiée, elle travaille à la RTG. Il y en a beaucoup. On le sait. Non, non, non. C'est même pas seulement la RTG. D'accord. Je te dis, il y a beaucoup. Ouais. La mine. Ouais. Tu as vu ces gars-là ici, on est la mine. Ils ont été capables de faire quoi? Ouais. Tu as vu la nuit des TikTokers à Conakry? La mine. Tu as vu la nuit des TikTokers à Conakry ici? Oui. Alors, donc, il faut te calmer. C'est dans beaucoup de services aujourd'hui en Guinée où tu vois ça. Dans les quartiers. Dans les quartiers aujourd'hui, des jeunes filles, et puis les petits démarcheurs, magrins, ce sont eux seuls pratiquement aujourd'hui qui arrivent à s'acheter des véhicules. Au même moment, tu travailles dur, c'est à peine si à la fin du mois, tu peux arrondir les emplois. Maximum de partage. Les jeunes aujourd'hui entreprennent, combien d'entreprises aujourd'hui résistent au choc? Sur 1000 entreprises aujourd'hui créées, combien à la fin de l'année vont continuer encore? Tout ceci ne les préoccupe pas. Bien. Ce qui les préoccupe, c'est des mesures aussi fallacieuses, aussi farfelues que quoi? Branding national. Branding. Pour aller foutre plus moi-même. Pour aller sortir encore les 10 ans. Merci beaucoup, la mine. Ils sont en train de dire branding national. L'argent est en train de sortir. Voilà. Et regarde la contradiction de ces gens-là. Ils n'ont qu'à s'adresser au Nimba pour que les incendies cessent. Bien. Ils n'ont qu'à aller prier leur nouveau Dieu-là. Il ne faut pas qu'ils demandent aux églises d'organiser des journées de jeûne et de prière, alors que ceux-ci leur ont dit, nous, nos religions ne nous permettent pas ça. C'est toi qui veux venir à la prière avec, comment on appelle ça, l'effigie d'une idole ou d'un dieu traditionnel. C'est Guinée. Tu veux venir. C'est Guinée. C'est Guinée, oui, mais c'est... De voilà, bien que c'est une religion. C'est vrai. Oui, mais c'est là votre sécurisme. C'est Guinée. C'est ça votre sécurisme. Voilà. Alors, est-ce que ça c'est accepté en l'islam? Ouais. C'est accepté? Donc, quand vous avez décidé que, officiellement, votre transition là, elle va se dérouler avec la bénédiction d'un Dieu en particulier, quand ça ne va pas, aller prier ce Dieu. Ne nous embarquez pas là-dedans. Ne nous demandez pas d'aller prier nous, notre Dieu, notre grand Dieu qui aime la pureté, qui aime la sainteté et qui aime surtout la vérité et la sincérité. Bien. Allez adorer votre Dieu. Merci beaucoup, Mohamed Mara. Allez-y. Voici l'émission. En quelque sorte, ce n'est pas la seule émission. Parce qu'il y a eu l'émission de film qui a fâché les bandits du CNRD. Un groupe de bons à rien, parce qu'on les a dit la vérité. Cette histoire de branding, l'ancien DJ, Djiba, un ancien DJ, Bessia Port là-bas, demandez les gens, ceux qui connaissent Djiba, il a quel diplôme? Demandez Djiba, il était en Europe, il faisait quoi? Des vauriens comme ça, des toukas comme ça, on les nomme à des postes de responsabilité. Regardez, encore, je vais vous montrer. C'est-à-dire pour eux, attendez, présidence, ok.
Dieu merci, ça y est. Ça dit, ils ne connaissent rien si ce n'est pas leur publicité de branding. Rien d'autre que ça. Ils sortent des milliards, ça les a dérangés. Les journalistes les ont soutenus ici. Mais les mêmes journalistes ont compris que c'est des vauriens, c'est des bons à rien, c'est des voleurs. Maintenant qu'on les critique, ça les dérange. Ça les dérange, les cœurs, la famille. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise la vérité. Ils ne veulent pas qu'on parle. C'est pourquoi nos pages aujourd'hui sont attaquées par tous les moyens. Mais on a trouvé la solution. Pour ceux qui viennent de voir ma nouvelle page en général 5 étoiles, abonnez-vous à la page générale 5 étoiles. Vous aurez les notifications. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Vous voyez aujourd'hui, ce soir, le nombre est monté parce que nous sommes en train de travailler là-dessus. Parce que les voyous ont mis de l'argent, beaucoup d'argent. Les voyous ont payé des experts dans la technologie. Donc, abonnez-vous à cette nouvelle page. Regardez. Ils ne connaissent rien. Allez construire une petite école à Kassa. Attendez, je vais vous montrer. Une petite école à Kassa. On ne vous dira pas le coup. Hein. Ces voyous-là. Et après, quand on parle, regardez la démagogie. C'est ce qu'ils savent faire. Le Diba qui est au milieu là. Avec leur connerie de branding. Regardez. Regardez. La digitalisation, la numérisation, c'est plus... Regardez le Diba. Des fourriens comme ça. Casser la facture numérique. De faire en sorte que chaque citoyen puisse avoir accès au numérique. Ça a un effet accélérateur de formation, de connaissances, de culture. C'est cet aspect global que nous... Regardez. Hein. Que l'État a fait quelque chose, même un particulier, des bons à rien comme ça, avec leur t-shirt, qu'au branding, ils n'ont rien à faire. Publicité de branding, des milliards sortent. Vous allez voir ce projet, c'est des milliards qu'ils ont fait sortir. Ils sont allés faire ça où? Sur les îles là-bas. Qui a les moyens de prendre les bateaux pour aller là-bas? Un bande de comédiens comme ça. Mais je vous ai dit, vous allez vous fatiguer. D'ailleurs, vous venez de montrer au monde entier, à l'opinion internationale, que vous n'êtes que des bandits. Vous n'avez pas fait le coup d'État le 5 septembre. Au nom de la démocratie, au nom de la liberté d'expression, vous avez fait le coup d'État pour votre propre intérêt. Des vendeurs de drogue, des bandits de grand chemin. Je vous ai dit, vous ne pouvez rien contre nous. Vous ne voulez pas qu'on parle, on va parler. Vous ne voulez pas qu'on parle, on va parler. Et on va lancer un message au gouvernement du Sénégal. Monsieur Diomaye Faye, Monsieur Ousmane Sonko, vous n'avez pas les mêmes parcours que les bandits de Conakry. Vous n'avez pas les mêmes parcours que les bandits de Conakry. Donc arrêtez de rendre visite à des vauriens. Arrêtez de rendre visite à des vauriens, Monsieur Diomaye Faye. Vous avez quel intérêt avec les bandits de Conakry? Monsieur Diomaye Faye, vous avez quel intérêt avec les bandits de Conakry? Ces vauriens de Conakry, Monsieur Diomaye Faye. Vous allez chercher quoi à Conakry? Qu'est-ce que ces bandits-là vont vous apporter? Vous avez été démocratiquement élu. Pourquoi vous allez vous déplacer, aller... Hein? Dans un pays où les opposants sont en prison. Diomaye Faye. Pourquoi vous vous déplacez aller voir ces bandits de Conakry? Qu'est-ce que ces bandits-là peuvent vous apporter? Qu'est-ce que ces bandits-là peuvent donner au Sénégal? Il ne faut pas rentrer dans le jeu de ces bandits-là. Ah, c'est pour dire, voilà, la Guinée est ouverte, on travaille avec tant. À part leur grand Kagame, où les opposants ne parlent pas.
Et vous, vous allez vous déplacer, aller en Guinée, pourquoi? Vous allez faire quoi avec ces bandits-là? Les cœurs, la famille, je vous ai dit, n'oubliez pas. Ils ont des gens assis juste pour perturber le life. Mais vous allez vous fatiguer, le CNRD. Nous n'allons pas abandonner le combat. Vous allez tout faire. Payer. Encore. Je vous ai dit, nous sommes prêts. Donner encore de l'argent, des milliards à ces gens-là contre nous, vous ne pourrez rien. La vérité est devant tous les Guinéens. La vérité est devant tout le monde. La question qu'on doit se poser, Mamadi a étudié quoi? Mamadi a quel diplôme? Mamadi a quelle relation? Si nous devons le noter là-bas, c'est un zéro, un vaurien. Depuis l'arrivée de Mamadi, la Guinée était comment? Avant le 5 septembre et aujourd'hui. Le gouvernement du président Fakonde avait retiré les agréments des médias, bande de vauriens. Il y a Guy Taré, Fissiri Lombalié, Yamfanté. Est-ce que le gouvernement du président Fakonde, avec les critiques des médias, ils ont retiré les agréments? Bande de vauriens, Yagui Taré. Bande de vauriens de Yagui Taré. Vous retirez les permis des jeunes Guinéens dans les mines. Bande de vauriens, vous êtes en train de tout retirer. On ne sera pas surpris hein, quand ces mêmes vauriens vont se flanquer encore pour dire qu'on retire l'agrément des partis politiques. J'ai dit aux partis politiques, ne restez pas à la défensive. Face à des voyous, face à des bandits, face à des gangsters, vous devez aller à l'offensive. Quand vous allez malmener ces gens, c'est là qu'on parlera de dialogue, c'est là qu'on parlera de négociation. Mais si vous restez à la défensive, l'ennemi, il va faire ce qu'il veut de vous. Mais quand vous partez vers lui, vous lui barrez la route, c'est lui qui va chercher comment se positionner. Mais vous les laissez, c'est eux qui viennent. Vous reculez, vous reculez. Vous devez les offenser. Les leaders politiques, vous devez offenser ces bandits-là. Mais dire qu'on va rester, on va attendre le moment opportun, 31 décembre, vous ne pourrez rien faire d'ici 30. Le 31 décembre, c'est le bon moment. Vous avez vos agréments, vous êtes légitime, c'est votre droit, c'est dans la constitution des voyous du CNRD. Donc c'est à vous d'aller, c'est à vous de vous lever, c'est à vous de barrer la route. Mais si vous ne le faites pas, vous n'aurez rien. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Levez-vous. Levez-vous. Les partis politiques, là, levez-vous. Ne restez pas assis hein, pour dire que vous allez attendre la dernière minute pour agir. Mm-mm. Il est temps pour vous de vous lever. Il est temps pour vous de vous lever dès maintenant. Avant le coup d'État, c'est comme ça que la presse était malmenée. On peut parler de démocratie sans parler de la presse. On peut parler de démocratie sans parler de la liberté d'expression. Je crois que le rideau qui restait là, le rideau là est tombé hier. Leur décision bidon de retirer les agréments, bande de voyous. C'est-à-dire, vous pensez que la Guinée là, ça vous appartient? Bande de voyous. Vous pensez que c'est vous qui avez donné ces agréments à ces gens-là? Bande de voyous. Vous oubliez que nous sommes dans une république. Vous oubliez que l'État, c'est tout le monde. Vous oubliez que l'État, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Bande de voyous. J'ai dit aux Guinéens, j'ai dit, c'est pas des gens qui... Je vous ai dit, ils n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont pas honte. Vous savez, le bandit, quand il prend son arme, il va braquer. Il ne veut pas que quelqu'un touche, que ça l'appartient. C'est tout. Mais Aldeko Beke, vous allez tourner, vous allez tout faire. Voilà, Aldewa. Mamadi Mbrafunyene, il faut chercher un médiateur, quelqu'un qui va négocier comment tu vas sortir. Mais dire que tu vas t'entêter, Mamadi, les blindés là, peut-être vous allez tuer tous les Guinéens. Vous allez tuer tous les Guinéens. C'est vous qui avez dit si vous avez fait le coup d'État pour troisième mandat. Et vous, vous n'allez pas rester à la tête de ce pays-là. Non, ça ne passera pas. Ça, on vous le dit. Donc, merci à tout le monde. Abonnez-vous à la nouvelle page. Voilà.
Abonnez-vous au Général 5 étoiles. Le combat continue. C'était pour un test. Voilà, merci à tout le monde. Et nous allons encore sécuriser cette page très bien. Merci à David Palmer, voilà, Junior Niema, merci à vous. Moussa Balak Bana, voilà, merci à tout le monde. Abonnez-vous à la nouvelle page Générale 5 étoiles. Sinon, nos pages actuellement ont de sérieux problèmes avec ces voyous. Mais nous allons trouver la solution. Comment mettre fin à tout ça? Nous sommes en train de travailler. Vous venez de voir tout de suite. Nous allons mettre fin à tout ça. Parce qu'ils ont peur de nous.